un travailleur manuel qui voulait devenir soudeur en plus d'être travailleur manuel. Puis l'école m'apparaissait la meilleure valeur sûre pour apprendre le métier. J'ai choisi Campus Brome-Missisquoi parce que le cours se donnait en accéléré sur une base de 14 mois. À raison de 35 heures semaine, 5 jours semaine. Ouais, bien, pour être un bon soudeur, ça prendrait un sens de débrouillardise puis beaucoup de créativité. Ça prend vraiment un sens d'initié au niveau de la finition. Il y a différents projets que l'étudiant va devoir faire avec, à partir d'un plan. Donc, une lecture de plan et l'utilisation de tous les machines-outils qu'il y a dans l'atelier. Donc, on va faire du pliage, on va faire du coupage sur la ciseaille. Et après ça, il va assembler chaque projet. Donc, des projets qui vont partir de 5 et qui vont finir comme le foyer extérieur qu'on a vu et ou une remorque. Donc, il va faire ses propres dessins ou suivre un dessin pour arriver à un produit fini, comme si on serait en industrie. Ça peut prendre une pièce, ça peut prendre une journée, deux journées, puis l'autre pièce d'après, bien, ça va être 15-20 minutes, ça va être fini. Le soudage est un monde illimité de possibilités. Tu te spécialises selon tes aptitudes. Les enseignants qui sont au campus, c'est des enseignants qui viennent du milieu industriel. Donc, on devient, je pense, un bon prof, un enseignant lorsqu'on maîtrise notre métier dans la vraie vie. Puis après ça, on vient montrer ce qu'on aime, ce qu'on préfère. Chaque professeur investit le temps nécessaire pour que chaque individu se dépasse. Et c'est sûr que c'est le fun quand on part un projet, vraiment, on le fait seul de A à Z tout seul. C'est le fun, ça amène un petit velours. On apprend à connaître nos étudiants durant l'année. Donc, on peut leur suggérer des places de stage ou d'emploi. Mais les employeurs nous appellent régulièrement, toute l'année, pour avoir du personnel. On gagne bien sa vie soudeur, ça, je suis pas inquiète. Soudage-montage te demande juste un minimum de mathématiques et ensuite un métier pour le reste de ta vie. C'est pas beaucoup d'investissement pour le reste d'une vie.